festival de la bande dessinée d'Angoulême, suite avec Black Mary, un album paru chez Glénat, d'Erwan Fagès et David Chauvel, deux jeunes auteurs qui n'ont pas 25 ans. Nous voici à bord d'un vaisseau pirate dont les passagers auraient des têtes de mort. Un cauchemar, une geôle dont s'évade un effrayant prisonnier. Ce fuyard n'est pas le fiancé de la tendre Mary, mais un bandit, le bouc, qui emmène la jeune fille de rade en bouge dans une ville à la lumière rougeoyante qui n'est pas sans évoquer le Londres de Dickens. Il y a là une véritable cour des miracles digne de Mackie le surineur. Pour survivre, Mary devra se battre. C'est désormais une lumière violine qui plane sur la cité, tandis que Mary s'est aguerrie en connaissant la rue. L'intrigue s'opacifie quelque peu, mais le dessin reste puissant et culmine en une nouvelle bataille des morts, une fois encore, sur un navire perdu.